Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du match opposant le Bayern au PSG. Vous le savez, aujourd'hui, les Parisiens affrontaient les Bavarois pour ce match retour de Ligue des Champions. Vous le savez, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0 au Parc des Princes lors du match aller. Et malheureusement, le PSG vient encore une fois de s'incliner face aux Bavarois. Cette fois-ci 2-0. En tant que supporter parisien, je suis anéanti. Je suis sous le choc. Vraiment, je pensais que le PSG allait s'imposer. J'en étais sûr. J'étais très confiant. Mais les gars, là, je suis dégoûté. Je suis anéanti. J'en reviens pas. Paris est encore une fois éliminé dès les 8e de finale de Ligue des Champions. Franchement, j'en reviens pas. Mbappé a été transparent. Nuno Mendes a fait un mauvais match pour une fois. Ensuite, d'après moi, Danilo a été dans l'ensemble très bon. Danilo en tant que patron, Danilo qui répond toujours présent, un gros match de sa part. Franchement, Danilo, c'est un de mes joueurs préférés du PSG, qui mouille le maillot, c'est vraiment incroyable. Mais dans l'ensemble, Paris a été nul, aucun jeu, pas d'action dangereuse en réalité. Mbappé totalement transparent. Mbappé ce soir a fait n'importe quoi, il n'aura pas répondu présent. Je pensais vraiment qu'Mbappé allait faire une masterclass. Je pensais vraiment que Kylian allait briller face au Bayern Munich comme il l'a fait en 2021. Mais malheureusement, Mbappé aura été un flop ce soir. Mbappé vraiment, vraiment nul. Voilà, vraiment nul Mbappé. Ça a été un flop ce soir. Messi également. Messi, on l'a pas vu du match. Messi a été nul. Messi, d'après moi, s'en fout clairement du football. Messi a tout gagné. Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il n'a plus à rien prouver. Et voilà, défaite du PSG face au Bayern. Le PSG est une nouvelle fois éliminé de la Ligue des Champions. J'en reviens pas. Voici pour ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Like, abonne-toi, c'est le plus important. Et ciao.